Salut Marie, ça va? Oui, on est bien arrivé à Cluj. Tu sais, maintenant on a un peu de temps libre pour visiter la ville. Une balade culturelle, quoi. Là, on est sur la colline de la citadelle. La vue est magnifique. Tu nous rejoins comme prévu, hein? À plus. Bonjour Marie, c'est sympa ici. Salut, bienvenue à Cluj. Ce pont, on l'appelle le pont des amoureux. C'est un peu comme à Paris. Oui, mais à Paris, il n'y a plus de cadenas sur le pont des arts. On les a enlevés. Moi, j'ai apporté un cadenas pour enchaîner notre amitié. Suivez-moi. Ça, c'est la place du musée. Je l'aime bien, cette place. C'est la plus ancienne de la ville. À droite, il y a le musée d'histoire de la Transylvanie. Là, c'est l'obélisque Caroline. Et à gauche, l'église et l'abbaye franciscaine, les plus anciens édifices de la ville. J'adore me promener dans ces pittoresques rues médiévales chargées d'histoire. Voilà dans la place de l'Union, qui a toujours été le centre d'une vie quotidienne intense. Au milieu de la place se trouve la statue de Matthias Corvin, ancien prince de Transylvanie, et l'église catholique de Saint-Michel, l'une des plus imposantes de Roumanie. La place est entourée d'immeubles impressionnants, de style gothique et baroque, classés monuments historiques. Et ça, c'est la célèbre rue au miroir. Allez les comédiennes, c'est pour demain le spectacle, pas pour aujourd'hui.